chose qu'on fait, on doit commencer. C'est la bande des délires. On va commencer à faire pas des mollets, et donc ça laisse par exemple. Et
l'après-midi et le soir. Parce que si on dort ce soir, une bouche sèche, une dent qui vient d'eau brossée, on ne voit rien manger pendant la nuit. En dormant, on n'a rien mangé. Ce n'est pas la peine de se brosser le matin avant de manger. Une fois mangé, on doit brosser. Parce que si on va brosser, si c'est bien, on brosse avant de manger. Mais on va oublier de brosser après de manger. C'est ça. On doit avoir ce réflexe. Brosser après. C'est pas brosser avant. Brosser avant, ça c'est bon. Mais on va se fatiguer de ne pas brosser. Malgré que c'est le brossage, c'est après. Oui. Et là, ici on a
Thank you.
Hein? Même avec Madame Préfet. Les photos, les photos. Moi, je veux toucher les photos. Les photos. Même si les poses avec. Ça sert à rien. C'est pas très cool, les photos. C'est pas, mais c'est pas très cool. Thank you.
je peux me donner la caméra, je filme. Je peux. Hein, s'il vous plaît. Hein? On voulait d'abord remercier l'Assemblée, mesdames et messieurs de la MONUC. Nous sommes vraiment très émus parce qu'on ne s'attendait pas à une telle réception. Le monde des circonstances n'était pas préparé, mais tellement qu'on était dans la joie, on s'est dit on ne peut pas partir comme ça sans vous remercier. Merci de tout ce que vous avez fait et l'accueil a été très 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 à la hauteur. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à la présentation de nos cadres, parce que dans la coutume africaine, on ne peut pas se mettre dans une chaise sans se connaître. Nous avons comme recteur M. Nzita Denzita, qui est le président de notre institution. Et nous avons notre cher Papa Soumbou, nous l'appelons Papa Soumbou. C'est notre secrétaire général administratif. Et comme préfet des études, une charmante dame, très tenace, notre Margaret Thatcher, elle s'appelle Madame Anaclète Touluinga. Ah, bon, tellement qu'il y a une grande fête, peut-être elle est allée. Allez, d'ailleurs, merci beaucoup. Bon, il y a... Voilà, Madame Anaclète, elle est à l'habiller les élèves. Vous pouvez applaudir pour Madame Anaclète, pour Lenga. Nous avons notre directeur des études. Son nom, c'est Monsieur André Gallo. Et il y a une dame derrière vous, elle s'appelle Madame Ruth, c'est notre professeur de français. La Tunisie doit connaître quelque chose en français, vous êtes très francophone. Hein? Oui. Nous avons notre docteur, un dentiste, Monsieur Docteur Lombo. Et nous croyons que la collaboration sera longue parce qu'on va inviter votre docteur chez nous pour continuer les speeches. On a beaucoup ici, merci. Et votre présentateur, les élèves l'ont surnommé. Bon. Mon nom c'est Jean-Pierre Ndjadi. Merci de l'accueil. La suite de la manifestation, nous allons présenter une petite pièce de théâtre. Et après, comme on a été tellement satisfait, on voulait vous faire au moins 25 discours. Les enfants se sont précipités, se sont arrachés pour vous faire le mot d'allocution. Alors on a choisi juste 3 élèves. Les autres artistes, ils vont comprendre la prochaine fois qu'on aura un match et on vous battra. Merci. La pièce de théâtre. Bonjour l'Amdouni, bonjour l'Amdouni. Oh mon Dieu, que Dieu soit loué. Regardez tout ce que j'ai acheté pour ma fille. Elle sera très heureuse avec ça pour la rentrée scolaire. Karine, mais où est-ce qu'elle est cette fille?
ma fille. De jouer avec les amis, maman. Regarde tout ce que j'ai acheté pour toi pour la rentrée scolaire. C'est zéro, non? Merci, maman. Tout ça, c'est pour moi. C'est pour moi, ma chérie. Merci. Il manque de rien. Merci, maman. Que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour Karine. Oui, bonjour mon ami. Ça va? Oui, ça va très bien. Comment de nouvelles? Rien de nouvelles. Regarde tout ce... Regarde tout ce que ma mère m'a acheté. C'est joli, hein? Mais moi, rien. Mais la pauvreté, hein? Ah! Regardez-moi moi quand je marche avec une papouche coupée. Ah! Mais la pauvreté est vraiment mauvaise. Ah, Seigneur! Hey! Pourquoi toujours moi qui souffre vraiment? Ah!